Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est vraiment de créer au quotidien. C'est vraiment relever un défi chaque saison, avec chaque tendance. C'est du changement sans cesse et c'est ça qui est très intéressant. Kaïssa est styliste pour une marque de vêtements pour enfants, un métier taillé sur mesure pour elle. J'ai choisi l'enfant parce que c'est vraiment un univers qui me plaît par-dessus tout. C'est vrai que c'est des produits assez ludiques, assez colorés, très rigolos, très sympas à traiter. Mais le sérieux est de mise quand il est question de créer la collection. Donc j'ai à la fois une partie coordination, donc je m'occupe de traiter les dossiers qui sont gérés en externe par les graphistes illustratrices freelance. Et la deuxième partie de mon travail, c'est de dessiner en interne tout ce qui est volume, le produit en lui-même sans les graphismes, les motifs, les valeurs ajoutées. Alors, lorsqu'on réalise un dessin, il y a plein de choses à prendre en compte. Le dessin ne sera pas validé s'il y a trop de choses sur le produit. Une matière bien particulière qui va coûter un peu trop cher par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, ou une finition particulière. Donc, sur la chemise de nuit, ce serait peut-être mieux là, les colletages contrastants. Et on a un picot. On peut garder un picot hortensia, je pense. Là, c'est de la feutrine, je suppose. On peut faire une feutrine libre. Feutrine libre. Cousue au centre. Et il y a aussi un aspect normes et sécurité. Donc il y a énormément de choses qu'on doit respecter et faire très attention. Inventer les vêtements que nous allons tous porter demain ne s'improvise pas, loin de là. Outre le fait d'être créatif et d'être imaginatif et de bien dessiner, etc., il faut être ce que j'appelle professionnel. C'est savoir faire des fiches techniques impeccables avec tous les détails de finition parce qu'après c'est interprété par des fabricants qui sont souvent, pour nous en tout cas, qui sont loin. Et en fait, si c'est pas expliqué clairement, le vêtement est mal interprété. Et donc ça retarde la chaîne. Vous alliez inventivité et rigueur, sachez que ce métier est ouvert à de nouveaux talents.